Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché. Mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons. Ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Le Fils engendré par Dieu les protège. Et le mauvais ne peut les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu. Alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parole du Seigneur. Thank you.
Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de pain. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de pain. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et il dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit, c'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. De votre maladie, hein, un bon coup d'assurance.
On a besoin d'assurance. Et dans la vie spirituelle aussi, on a besoin d'assurance. Nous avons l'assurance auprès de Dieu. L'assurance, c'est quoi? Quelqu'un qui n'est pas assuré, c'est quelqu'un qui ne va pas tenir. Si je suis assuré de la victoire, je vais affronter mon ennemi. Si je ne suis pas assuré des armes que j'ai en ma position, je ne vais pas aller à la bataille. Donc quelqu'un à la fois qui n'a pas l'assurance, c'est quelqu'un qui déjà, il se fait voler tout son équipement. La définition de la foi, vous connaissez par cœur, c'est quoi? C'est en Hébreux 11:1. La foi est la ferme assurance des biens qu'on espère. La garantie des biens qu'on ne voit pas. La ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance, c'est-à-dire je me tiens dans cette assurance. Je suis assuré d'avoir la victoire. On a joué tout à l'heure. Thank you.
savais que j'avais fallu pas rencontrer quelqu'un, et que qui est fatigué, qui est mis facilement à l'aise. Et j'ai dit à Dieu, fais que ça soit pour mon âme d'essence. Comme ça, comme si ta vie l'aurait. Chers sœurs SMS, désolé, je suis en bas de la table ce soir. Mais j'ai juste dit une fois, un peu comme une petite pensée dans celle qui s'en va, j'ai pas insisté, j'ai pas pris des heures, j'ai dit, c'est cool quoi, si tu es en bas, puis au moins ça m'arrange. Quelques minutes après le SMS tombe sur moi. J'ai dit, waouh, il écoute toutes nos demandes. Et c'était visiblement sa volonté que je ne vois pas cette personne ce soir-là. C'est pour ça qu'il a exaucé l'événement. Vous comprenez le truc? Donc, il faut faire attention à nous demander d'abandonner tout quoi, mais il faut aussi croire que Dieu va bien nous exaucer. Et arrêter de faire les bougons, les pensées, les râleurs, à dire, il m'a pas exaucé dans telle et telle circonstance, pourtant je ne demanderai plus rien. Ouais, vous rigolez parce que c'est pas pour vous, mais il y en a ici, ils sont comme ça. C'est parce que Dieu t'a pas exaucé dans tel ou tel domaine qu'il faut t'arrêter de prier. D'abord, on ne prie pas juste pour demander, on prie d'abord pour adorer Dieu. On prie d'abord pour être dans l'intimité avec Dieu. Parce que sans intimité, on ne peut pas connaître sa volonté et on ne peut pas connaître ce que nous devons demander. Et ensuite, il y a cette ferme assurance. Je pense que beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que nous n'avons pas la ferme assurance. Demandons quelque chose en ayant beaucoup plus la certitude au fond de ne pas être exaucé que d'être exaucé. Je priais pour toi, un cancer au dernier stade. Pourquoi vous avez 50 s'il vous plaît? Madame, vous êtes tout petit, toi. Qui est ressuscité ici? Allez, c'est pas mal. Vous devez en être certain. S'il vous plaît, entrez-vous, vous avez la foi. Devant un entraînement sérieux, la foi, elle se met en pratique. La foi, il faut pratiquer les actes de foi. Dire « je suis ressuscité », ça va en contradiction avec l'expérience charnelle qui peut être liée à la connaissance de votre péché et l'accueil de la culpabilité que vous avez fait dans votre cœur. Et ça, c'est un poison. Le contre-poison, c'est de proclamer que vous êtes ressuscité. Vous n'êtes pas sur la chair, vous êtes sur l'esprit. Et ça, c'est la vérité. Dans le baptême, dans la mort et la résurrection, par la foi, vous êtes ressuscité. Né de Dieu. Sinon, vous n'êtes pas né de Dieu. Comprenez? C'est pas parce que vous avez reçu l'effusion de l'Esprit Saint dans votre groupe charismatique il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 1 an, que ça vous a fait ressusciter. D'ailleurs, mes petits chéris, je trouve que votre prière en langue est timide, voire inexistante. Ne pas hélas, je ne parle pas quand vous avez besoin de prière en langue. Tu élargis ta capacité à rester dans ton visite. Ok. Le psaume dit quoi? Chantez au Seigneur un chant de nouveau. Qu'est-ce que c'est ce chant de nouveau? C'est pas un petit chant normal. C'est un chant qui a une nouveauté par rapport à un chant normal. Le chant normal, c'est le chant, c'est le cantique normal. Chant nouveau, ça va être deux choses. Bon, tu as une nouveauté par rapport à ton cœur. Tu es mort, tu es ressuscité. Ton chant avant, c'était des chants de tristesse. Tout d'un coup, ça va être des chants de joie. D'accord? Donc, c'est la louange. Tu chantes un chant nouveau parce que tout d'un coup, ton chant, au lieu d'être. Moi, j'hallucine, c'est tous des jeunes qui n'écoutent que de la musique de la télé, de la radio. C'est des chants qui ne servent à rien. C'est des chants qui sont. Qui ne servent à rien, qui tournent en rond, quoi. C'est de la musique avec des paroles sur la société, sur le sexe, sur la drague, sur l'amour, sur la séduction, et c'est tout ma jeune, là, les autres femmes en métapole qui offrent des images. C'est insupportable. Moi, je crois que mes parents m'auraient interdit, si dans les années 85 il y avait eu ça, ils m'ont interdit la télévision. Bon. Et ils chantent ça. Donc, ils jouent de la guitare, ils sont capables de faire un chant pour eux, et ils chantent ça très très bien. Je les ai emmenés en je ne sais plus quel pays de la fois, dans le grand car, ils chantaient à toute tête des chants, et waouh, j'en ai bien, on va prendre un chant en louange, puis là, il y avait une petite bonne fluette qui sortait, et puis tu vois, autant les chants païens, ils avaient de la voix et ils savaient faire, autant les chants chrétiens.
de vous, quand elle change en Christ, à ce moment-là, eh bien, tu chantes un chant nouveau parce que ton cœur est libéré. Ton cœur fait l'expérience de la présence de Dieu, de cette louange. Amen, comme on a chanté tout à l'heure. L'heure de la victoire de la vérité a sonné dans mon cœur. Ça veut dire. Allez. Ça veut dire, je ne veux plus de mensonges dans mon cœur, je veux de la victoire, non plus en échec. Vous l'avez chanté. Le matin, quand tu te brosses, non, mais ça. Thank you.
de dire je fais la joie du Père. Tu as les moyens de faire la joie du Père simplement en lui permettant ou en accueillant l'œuvre qu'il a réalisée à la croix qui est définitive et qui est totale. Il n'y aura rien de plus que la croix. Et l'Esprit Saint est donné pour actualiser en toi l'œuvre de la croix. Il ne peut pas y avoir plus que ça. Simplement, beaucoup de chrétiens n'accueillent pas cette puissance de l'œuvre de la croix qui, pour l'instant, présente. Dès le matin, accueille l'œuvre de la croix. Parce que c'est rentrer dans la vie divine. Danse à la louange de son nom. Joue-le sur les tambourins, car Dieu est son peuple, il donne aux humbles l'éclat de l'histoire. Quand le matin, tu prends le temps de prier, d'élever Dieu au-dessus de toi, d'exalter Dieu. Mais magnifique, c'est la parole. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit. Est-ce pas pareil? Exalter de Dieu mon âme, ça c'est mon effort personnel. Exalter quelqu'un, ça veut dire élever ses qualités. Ça veut dire le magnifier, veut dire qu'il est grand, qu'il est beau. C'est la louange, c'est le principe de la louange. J'exalte Dieu, c'est-à-dire je le mets au-dessus, je mets toutes ses valeurs au-dessus. Il est beau, il est grand, il est fort, il est puissant, il est l'avenir. Et ça a quoi comme conséquence cet exercice de louange? Exulte mon esprit. C'est-à-dire que mon esprit, c'est-à-dire l'âme spirituelle, l'être profond, celui qui ne commet pas de péché, se met à exulter dans la présence de Dieu. Comment il se met à rentrer dans la joie? Il s'associe au Saint-Esprit. Il laisse le Saint-Esprit me montrer dans la joie. Exulte mon esprit en disant cela. Quand tu es triste dans ton âme, c'est l'âme qui exulte et qui exalte Dieu, c'est la chair, et c'est l'esprit qui exulte en Dieu. Parce que ta véritable identité, c'est l'esprit ressuscité. Thank you.
la paix, et que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et le bon dans votre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rends grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et d'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Dans le mystère de la Trinité, c'est lui qui par nature est invisible, se rend visible à nos yeux, engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. Deux rochers.